Attends, fais coucou à la caméra. Vivre la rue. Merci. Bon, alors, excusez-moi de l'avoir passé le pied et d'avoir comme deux, trois petits. Ça me manquait. Ils ont chanté. Voilà. C'est les musiciens. C'est pas le dessinateur, il est toujours fait. Le dessinateur n'est pas payé, il travaille. Bon, alors, pour être. Même pas par là. En fait, on a du mal. Oui, bah, c'était magnifique. Merci. J'ai dit tout ce que je connais là, l'exposition que j'ai mis en place. Oui, mais c'est pour les autres. Il faut filmer pour les autres. Et bah, complètement. Bah, justement, d'ailleurs, on va interviewer l'artiste après sa prestation. L'artiste, donc Briac, Monsieur Briac. Briac, tes panneaux qu'on voit dans la rue Saint-Malo depuis deux mois, ouais. Que je vois nuit et jour. Bah, j'en prends des photos. C'est magnifique. Merci. Ça fait un plaisir qu'ils soient sortis. Quoi. Parce qu'ils étaient enfermés. Oui, il paraît, à la Tour Tanguy. Ouais, donc ça fait plaisir qu'on ait libéré mes panneaux. Et là, ils sont libérés, et ils sont déplacés au fur et à mesure. On a dit plutôt là, plutôt là, plutôt là. J'ai quelle impression d'avoir dessiné dans une maison de la rue Saint-Malo, en direct, devant un public, avec Arnaud et John Trapp. Ouais. Chantant, jouant. Bah, c'était... Moi, je connaissais que très peu la rue Saint-Malo. Il y a un côté historique. Enfin, tu sens le poids de... Toi qui bosses avec Arnaud Gouefflec sur Macorlan, on est complètement dans le décor. Ouais, on était vraiment dedans. Ouais. C'est vrai qu'on se retrouvait un peu dans le... Puis Macorlan n'a connu que ce Brest-là. Oui. Il n'a pas connu le Brest après-guerre, donc c'est impressionnant, oui. C'est impressionnant, oui. On s'est bien amusé. Ouais. On le ressent aussi tous les jours, ça transparaît. Les pavés, Macorlan est là, on le sent. Ouais, et puis il n'y a pas que Macorlan. Plein de gens. À la nuit tombée. Pierre Perron aussi. À la nuit tombée, on les entend passer. Oui. Leur pas résonne. Les fantômes, c'est vrai qu'on les entend. Oui, il y a beaucoup de fantômes. Pierre Perron aussi. Oui, Pierre Perron aussi, qui a fait un très beau dessin de... Cette rue Saint-Malo. Donc, non, j'y étais passé une fois. Oui. Pourtant, voilà. Maintenant que. c'est vraiment superbe. Et puis, on a passé l'après-midi, du coup. Oui. Non, c'était super sympa. Bonne expérience. Bonne expérience, oui. Jolie idée, ça, en tout cas, que t'as merci. Fait. Ah, magnifique. En direct, oui. Merci. Et puis, ces panneaux, là, qui sont là, on les a déplacés plusieurs fois. C'était le début de l'aventure avec, avec Arnaud. Avec Arnaud Le Gouffet. Pour la nuit, Macorlan. En fait, on s'était dit, tiens, on va prendre ces panneaux pour rentrer dans l'univers de Macorlan. C'était bien que moi, je teste un truc. Donc, j'ai testé sur les panneaux, j'ai repris la même technique. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ton graphisme colle aux ambiances de la Pierre Perron, qui était d'ailleurs illustrateur, collaborateur et ami de Macorlan. Et de la même façon, Arnaud Le Gouefflec s'est trouvé dans l'œuvre de Macorlan. Ouais. Quand on voit comment il interprète certaines chansons de Macorlan, c'est absolument impressionnant parce que quand il nous chante Fanny Lanninon, dans la version Le Gouefflec John Trapp, c'est bluffant de modernité, mais le texte, c'est le même. C'est exactement ça. Il n'y a pas une virgule qui est changée et ça devient moderne. C'est un vieux Brest moderne. C'est tout à fait bluffant. Dans la vie de Macorlan, c'était appliqué à vraiment donner l'univers de. Parce qu'en plus, il a cette notion. Macorlan, c'est le fantastique social. Et le fantastique social, nous, on l'a traduit comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça veut dire que du moderne, de tout ce qui était en train d'arriver, c'est-à-dire les usines, le monde un peu, les banlieues, on pouvait sortir du fantastique et pas que dans les vieilles pierres. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, je trouve que c'est très bien. Bravo Arnaud, bravo Briac, bravo John. Oui, c'était très bon. Et le public était... C'est beau. Maintenant, je vais chercher une poubelle. Oh là 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 là. Et je vois la lumière qui éclaire tes panneaux, encore une fois, là. Je reste très traîné demain, mais il faut que tu... Viens traîner, Sophie. Viens traîner rue Saint-Malo. Je traîne samedi, le vendredi, j'appelle.
parce que du coup, ça nous fait bien en même temps, comme ça, je ne vais pas oublier. Titi, oui, tu peux récupérer tes fils pour les mettre sur le site du Studio Fantôme, s'il te plaît. Parce que ce serait une bonne idée, effectivement. Parce que si je filme, ce n'est pas pour rien. Bah, voilà. Et donc, du coup, ça nous ferait un bon outil promotionnel voilà. pour les artistes. Filmé par une pro de la vidéo. Et Madame Diffusion Studio Fantôme, sympa. Et au revoir, Sophie. Plougastel. Parce que Madame on saura tout. On saura tout. Et ce sera sur le site du Studio Fantôme si je te fais des images. Où elle habite. On a recruté notre vidéaste, si tu veux. Ouais. Donc, voilà, ça y est. Oui. La rue, c'est ouvert. Alors c'est chez nous, oui, en fait. Oui. Bah oui, c'est une rue. Tu fais la rue, quoi, tu fais la rue. Et tout le monde a pas se poser. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là la rue. Hein, qu'est-ce qu'ils racontent. C'est une rue, c'est ouvert, ouais, ce n'est jamais fermé. On vient rigolo. Celui-là, en tout cas, j'ai déjà vu quelque part ce monsieur-là. Ça me dit quelque chose, cette tête. Il faut que je le faire causer. Alors, quel effet de chanter ici? Ah bah tiens, voilà, l'intervieweur. Allez. C'est une joie. Une joie. Dans un bâtiment historique, que Marc Orland a probablement connu. Il a arpenté cette rue. Avec son ami Pierre Perron, avant-guerre. C'est probable. Comment tu fais pour Pierre Perron, il a fait un très joli dessin. Comme ça, des textes de Marc Orland avec une musique contemporaine. Pure inconscience, mais est-ce que tu n'as pas l'impression de. Certains pourraient dire que tu trahis Marc Orland à mettre des sons modernes. C'était limite métal tout à l'heure. Ouais, un peu métal. Ouais. Mais c'est assez métal, Marc Orland, parce qu'il y a quand même. Ouais, c'est bien. Hein, il y a quand même un côté, même un peu gothique en fait. Alors même un peu indus, quoi. C'est un peu indus, ouais. Souvent. Parce que c'est ça qu'il appelle le fantastique social, quoi. Mmh. Le fantastique social, c'est le fait que dans un monde moderne, il y a encore du fantastique. Alors qu'à un moment, il n'y a plus de forêt, plus de château, il n'y a plus de princesse, il n'y a plus de. Etc. Et pourtant, malgré tout, à la faveur d'une ambiance, d'une fumée d'usine, même sur une autoroute la nuit, on retrouve les fantastiques. Et le soin de la vie moderne. Était-ce la première fois que tu chantais ici, rue Saint-Malo, dans le cadre de l'association Le Vol à Rue, hein. C'est pas la première fois qu'on a joué avec les Pew Fuckers, un groupe chrétien, tout en haut de la. Tout... Oui, tout en haut du... au coin de la rue, au Lavoir. Oui, ça existe. Au Lavoir, ouais, voilà. C'était formidable. Peu, tu connais un peu les lieux, ouais. Tu connais Mireille, son équipe, ouais, formidable. Bien sûr. Hein. Là, on a des gars qui ont évacué, mais ça va être vite fait. Ouais, quelques temps. Et puis, là, le Studio Fantôme, il va jouer encore pendant 2 jours, à mine de rien, différents projets. Voilà, c'est une grande jeune trappe qui joue. Voilà. Pas moi, mais d'autres. D'autres, hein, tout à fait. Jouer et exposer aussi. Jouer et exposer, absolument. T'es un super intervieweur. Oui, c'est vrai. Ce sont pas tombés. Absolument pas. Mais, autre question. Oui. Autre question. Oui. C'est important. Hein. Pourquoi tu trimbales avec toi un mec qui barbouille sur scène? On comprend pas. tu chantes bien, tu dis bien les textes. Ouais. Tu as un excellent homme orchestre qui est John Trapp avec toi. Ouais. Et souvent, derrière toi, il y a un type qui fait des trucs. On comprend rien. C'est parce que sa mère me l'a confié à la naissance, en fait. C'est un mec de Guingamp. C'est un mec de Guingamp, en plus. Ouais, voilà. Donc, tu fais du social aussi. Mais c'est pas du social, c'est l'humanitaire. C'est dans la joie du Christ ressuscité. Ah, dans la joie du Christ ressuscité. Eh bien, en tout cas, on le fait, merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon. Allez, bonsoir les amis, formidable. Bonsoir tout le monde. Là, ça va être. Nous revenons dimanche. Oui. Merci, monsieur l'intervieweur. À demain, moi. À demain. D'accord. À demain, Briec.